Salut! Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire à nouveau une vidéo que je vous ai faite il y a un peu plus d'un an sur des choses que je n'achète plus. On grandit, on évolue et par moments on se dit pourquoi est-ce que j'achète ça, pourquoi est-ce que je fonctionne comme ça, etc. Et c'est aussi un moyen pour nous de mieux consommer, consommer plus intelligemment, économiser de l'argent également. Pour commencer, je voudrais vous parler du fait d'être influencé en fait par quelqu'un qui va faire une vidéo sur des produits où on se dit oh ben c'est pas mal, je vais en acheter. Ça m'est arrivé l'année dernière, j'avais vu une vidéo sur une marque française qui est relativement connue et la youtubeuse qui faisait cette revue m'avait convaincu en réalité tout simplement d'acheter les produits. Donc j'ai passé ma commande et c'était pas donné, je crois que j'en avais eu pour 150 €. Mais après coup, j'ai appris que cette vidéo était sponsorisée, chose qui n'a jamais été indiquée dans la vidéo. Et vous savez quoi? Je me suis sentie un peu prise pour une imbécile, un peu flouée si vous voulez. J'ai trouvé ça un peu dommage parce que je me dis pourquoi cacher la vérité? Ce qui m'amène en fait à vous dire que la dernière vidéo que j'ai faite sur Amazon, il y a des gens qui m'ont dit ah ouais mais finalement c'est une vidéo sponsorisée. Non, attention, et je veux vraiment mettre les pieds dans le plat. Elle était sponsorisée par ma carte bleue, comme j'aime bien le rappeler. Une vidéo sponsorisée, c'est quand une marque vous paye pour parler d'un ou de plusieurs produits bien particuliers. Là, en l'occurrence, la vidéo que j'ai faite sur Amazon, ils n'étaient pas au courant. Parce que ce sont des produits déjà que moi j'achète tout au long de l'année. Il y avait une essoreuse dans la vidéo, il y avait un durcisseur, il y avait tout un tas de choses que j'utilise au quotidien comme vous. Il y avait effectivement des liens d'affiliation. Mais les liens d'affiliation, n'importe qui peut en avoir. Même vous qui regardez mes vidéos, il suffit que vous alliez sur Amazon, que vous ouvriez un compte Amazon professionnel et vous aurez accès aux liens que moi j'ai sous mes vidéos au même titre que moi. Donc il n'y a pas besoin d'être Laurette ou youtubeuse pour avoir des liens d'affiliation sur Amazon. Donc ça m'a un peu gênée si vous voulez. Ça m'a même, on va pas se mentir, agacée parce que je me suis dit les gens confondent tout et mélangent tout le monde. La faute à qui? Eh bien justement à ce genre de youtubeuse qui font des vidéos sans prévenir. Alors tout le monde n'est pas comme ça. C'est ça que je regrette. Et je me dis que le problème c'est qu'on va encore une fois perdre en crédibilité. On va tous être mis dans le même panier alors qu'au fond, ça coûtait quoi de dire cette vidéo est sponsorisée? En plus, c'est une obligation maintenant de le dire. Donc ça me pose un réel problème en tant que consommatrice et également en tant que youtubeuse. Parce que vous savez quoi? Depuis que je me suis rendu compte de ça, donc j'ai appris ça évidemment l'année dernière, et bien tout simplement, j'ai décidé de ne plus regarder de vidéos de produits, en tout cas de revues. Je continuerai par contre de faire confiance aux youtubeuses que je suis d'ailleurs depuis des années, qui n'ont jamais eu de drama et qui, par moment, vendent des produits que j'achète. Par exemple ça. Mais on y reviendra un de ces quatre. Autre chose que je n'achète plus. Attendez, il faut que j'aille dans ma salle de bain. Cette crème, c'est une crème que j'utilise pour mon nez, pour ma cicatrice, pour me masser. Et en fait, quand je suis allée en parapharmacie pour l'acheter, il y avait ce format-là et il y avait un format beaucoup plus grand. Et le format beaucoup plus grand était moins cher. Parce que je suppose que vous êtes comme moi, par moment, vous faites attention au prix, au litre ou au kilo. Et ma première réaction était de me dire, ah ben tiens, je devrais prendre le grand format. Et après coup, je me suis dit, mais non, pourquoi est-ce que tu voudrais prendre le grand format? Parce que t'en auras jamais l'utilité. C'est là où je veux en venir. C'est que par moment, comme le format le plus grand est moins cher, on va avoir tendance à acheter. Mais peut-être que la première question qu'on devrait se poser, c'est est-ce qu'on en a vraiment besoin? Parce que regardez, si je prends donc ma crème, que je citerai pas d'ailleurs, comme ça au moins on n'a pas de problème, ça fait des mois que je l'utilise, j'ai utilisé que ça parce que j'en mets que très peu, je pense que je n'utiliserai que la moitié de ce tube, j'ai bien fait de pas acheter le plus grand. Pourquoi? Parce que déjà, écoutez, je crois à 5 ou 6 € de plus, j'aurais fini par jeter 6 € à la poubelle. Donc faites attention à ça, quand vous achetez, ayez ce réflexe de vous dire est-ce que j'ai réellement besoin d'en avoir plus, sous prétexte que c'est moins cher au kilo ou au litre. Pour la nourriture, peut-être que vous allez me dire oui. Pour le reste, que ce soit les cosmétiques ou autres, je suis pas certaine. Autre chose qui pourrait être en lien avec ce que je viens de dire, c'est justement acheter en double, en triple ou en quadruple. C'est-à-dire que par moment, il se peut qu'on commence à entasser, on n'a pas le temps, on est submergé de choses à faire, et puis, un peu comme moi dans ma vidéo sur Action, où je faisais du tri dans mes tiroirs, justement, de la salle de bain. Vous voyez, ça, c'est l'exemple type de ce que je suis en train de dire. Et j'avais pas fini de ranger mes tiroirs et je suis retombée l'autre jour sur ce baume à lèvres. Et en fait, il se trouve que je pensais que j'en avais plus. Donc j'ai passé ma petite commande pour en racheter. Je l'ai reçu pas plus tard que ce matin. Je l'ai acheté en fait pendant le Black Friday. Mais finalement, j'en avais un dans les tiroirs. Par moment, si c'est pas bien rangé, on voit pas bien. C'est pas lisible en fait. Et moi, quand je rentrais dans ma salle de bain, pour moi, c'était pas lisible le nombre de déodorants que je pouvais avoir. C'était pas forcément lisible non plus le nombre de crèmes de jour ou le nombre de produits démaquillants. Alors là, je vous entends déjà me dire, mais pourquoi est-ce que tu voudrais savoir le nombre que tu as? Normalement, tu devrais en avoir qu'un. N'oubliez pas que je suis youtubeuse et n'oubliez pas que des fois, ça m'arrive de tester.
Donc oui, effectivement, je peux me retrouver avec des produits en double, en triple, etc. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que à la limite, avoir des produits en double, c'est pas très grave, à partir du moment où on les voit et que c'est rangé. Parce que si vous ne les voyez pas, vous risquez de vous dire « Oh ben crème de jour, j'en ai plus » ou « Du déo en stick, j'en ai plus, tiens, je vais l'acheter un ». Sauf que, un de ces quatre, vous allez tomber sur l'un des produits et vous allez vous dire « Pourquoi est-ce que j'en ai acheté un ? Parce que j'en avais déjà ». C'est valable pour tout le monde, hein. Je pense que même les hommes qui bricolent doivent avoir des tournevis en double dans le garage. J'en suis sûre. Donc faisons attention à ça, parce que ça, c'est vraiment des achats inutiles dont on pourrait se passer. Ensuite, ce que je vais vous expliquer est en lien direct avec ma dernière vidéo, les pires et les meilleurs produits de supermarché. Je vous ai expliqué dans cette vidéo, je ne fais mes courses qu'au drive chez Super U. Je vais acheter les super produits que j'ai trouvés chez Aldi en complément. Et ça s'arrête là. En fait, là où je veux en venir, c'est que je ne fais plus mes courses au supermarché traditionnel parce que je me suis rendu compte que quand je fais mes courses comme ça, j'ai tendance à acheter beaucoup plus. Évidemment, il y a des promos, il y a des nouveautés, il y a tout un tas de choses et on met dans le caddie parce qu'on se dit « Oh tiens, un nouveau fromage, oh tiens ça, j'aimerais bien essayer, oh tiens ça, oh tiens ça, oh tiens ça » et on a dans le caddie beaucoup plus que ce qu'on aurait souhaité avoir. Du coup, quand on va au drive, comme je le fais toutes les semaines, l'avantage c'est qu'on a une liste, on fait nos petits achats en ligne et on se contente de ce qu'on a mis dans le panier. Il n'y a pas d'achat superflu. L'avantage aussi, c'est que moi je fais mes courses en ligne, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, je rajoute des choses dans mon panier, ce qui fait que généralement c'est rare quand j'oublie quelque chose, et c'est une manière pour moi d'arrêter d'acheter des choses dont je n'ai pas besoin. Et croyez-moi, au vu des prix qui ont flambé ces derniers temps, j'apprécie grandement de ne pas faire cette erreur, ou de ne plus la faire en tout cas. Alors une chose que je n'achète plus, ou en tout cas que j'achète très peu et de manière complètement différente, ce sont les accessoires. Accessoires de mode, notamment les bijoux. Au début de ma chaîne, je faisais beaucoup de haul AliExpress. Il y a peut-être des gens dans les commentaires qui vont me dire « Ouais, Laurette, moi je t'ai connue à cette époque et tout ça. » C'était la jeune époque, j'avais 8 ans de moins quoi, j'étais plus fraîche, on va dire. Effectivement, au début de YouTube, je faisais des haul AliExpress et j'étais une grande fan. Et à l'époque, c'est vrai que j'aimais beaucoup les bijoux fantasy que j'achetais soit chez AliExpress, soit chez Zara. Et finalement, je me suis retrouvée un jour avec une quantité astronomique de bijoux. Alors effectivement, j'en changeais souvent, mais en vieillissant, j'ai commencé à moins aimer les grosses pièces, j'ai commencé à pas trop kiffer la mauvaise qualité entre guillemets, même s'il y a des pièces que je possède encore et qui n'ont pas bougé. J'ai grandi, j'ai évolué et tout ça, je n'avais plus envie. Et je me suis retrouvée avec une multitude, mais sans mentir, de bijoux fantasy. Et je me dis, pourquoi faire en fait? Autant d'argent dans des bijoux fantasy, du plastique. Et avec le recul, je me dis, je préfère avoir des accessoires, des bijoux que je porte régulièrement, quitte à en avoir que très peu. Ce qui fait que si vous faites bien attention à mes vidéos, ça, ce sont des boucles d'oreilles que vous me voyez porter souvent, ça fait 20 ans que je les ai. Les créoles dont je vous ai parlé dans ma vidéo Amazon, c'est un achat que j'ai fait il y a 2 ans et depuis je les porte. Je n'achète plus d'accessoires ou quasiment pas et j'en ai que une petite quantité. Et réellement, si vous regardez mes vidéos, souvent c'est toujours plus ou moins les mêmes bijoux qui ressortent. Donc il y a une petite nuance ici dans le fait de ne plus consommer parce que j'achète encore, mais c'est vraiment avec parcimonie. Donc les accessoires à outrance, j'achète parce que c'est pas cher, parce que c'est trop bien. Ah oui, celui-là de collier, je l'ai en jaune. Ah mais en orange, il serait pas mal. En noir aussi. Non, ça je le fais plus. Ça sert strictement à rien. Ce qui m'amène à justement autre chose que je ne fais plus, ce sont les achats mode ou les achats tendance. Ce sont ces fameux achats où tout simplement on se laisse influencer. Ça je le fais plus. En fait maintenant, je pense que aussi en vieillissant, je réfléchis différemment. J'ai 46 ans. Par moment, je me dis tiens ça si je l'achète, est-ce que je le mettrai encore quand j'aurai 60 ans? Voilà comment je réfléchis. Et souvent je me dis oui. Et quand je me dis non, je me dis alors je l'achèterai pas. Je ne suis plus la tendance. Je ne suis plus la mode. Déjà je ne sais pas vraiment ce qui est à la mode. Et honnêtement, j'ai plutôt tendance à croire que tout ce qui est à la mode est complètement démodé. Ne pas suivre la mode, ça empêche vraiment très souvent d'acheter des choses pour rien. Surtout que si vous y réfléchissez bien, est-ce qu'on ne nous parle pas régulièrement de posséder des pièces classiques dans notre garde-robe? Combien de fois on va nous dire que c'est vachement chouette d'avoir dans son dressing un jean, un perfecto, une petite robe noire? Vous voyez tout ce genre d'articles? Donc acheter des articles à la mode, je suis pas persuadée que ce soit une bonne chose. C'est vraiment quelque chose que moi perso je ne fais plus du tout. Et s'il vous plaît, ne venez pas me dire que mes Air Jordan c'est à la mode. Sur le principe, je vais vous dire que oui, mais enfin quand même, ça c'était le modèle plus ou moins ce que Michael Jordan portait dans les années 90. Donc non, c'est pas vrai. C'est juste vous là, les jeunes, qui avez rendu populaire de vieux trucs quoi, comme les Converse et les Vans. Et autres Stan Smith, on va dire. Vous avez vu, je les porte, hein. Je les aime mes chaussures.
Bon, allez, passons à autre chose. Ce qui m'amène à vous parler, en fait, sans transition, de quelque chose qui est lié à ça, tout simplement la fast fashion. Ça, je vais passer très vite parce que j'en ai déjà parlé en vidéo il n'y a pas très longtemps. C'est vrai que la fast fashion, j'en reviens. Shein, c'est pas du tout mon dada et ça l'a jamais été. J'ai déjà testé en vidéo, j'étais pas forcément très fan de la qualité. Et alors, Zara et Mango, j'étais adepte, mais vraiment adepte pendant 20 ans, jusqu'au jour où je me suis arrêtée parce que je me suis rendu compte que j'en avais plein les armoires, qu'il y avait des choses que je portais pas, mais le processus a été long. Et c'est vrai que moi, à mon époque, quand je dis ça, j'ai l'impression d'être vieille. C'est vrai que nous, à notre époque, quand même, il y a 10-20 ans de ça, on nous parlait pas de la surconsommation. On nous parlait pas non plus de fast fashion, de l'ultra fast fashion, etc. On n'en parlait pas du tout même. On se sentait pas coupable. C'est vrai que maintenant, on en parle beaucoup. Et les rares fois où je suis revenue chez Zara, ça doit dater du début d'année, quand j'étais à Londres, je trouvais que les collections étaient jolies, mais que c'était cher et que la qualité, elle avait pas l'air ouf, quoi. Donc, ça, j'en reviens. Je vais vous parler également de quelque chose que j'ai arrêté d'acheter. Ce sont les pulls en acrylique. J'ai fini par comprendre. J'ai la comprenette un peu difficile par moment, mais j'ai fini par le comprendre. J'ai fini par comprendre. Les pulls comme ça, c'était pas de la qualité. Ce qui fait qu'en fait, ce pull, aussi surprenant que cela puisse vous paraître, c'est fait pour filmer des vidéos. Oui, c'est vrai, quand je l'ai acheté, j'ai voulu me faire plaisir en me disant « tu vas être sexy avec le dos dénudé ». Vous avez compris? Mais c'est vrai qu'en plein hiver, même avec un gros manteau, c'est pas forcément génial. Mais c'est pas là où je veux en venir en fait. C'est la qualité. Chaque année, je me vois en train d'acheter des pulls parce que ils finissent par s'abîmer, se déformer, boulocher. Alors boulocher, on peut éventuellement y remédier. Mais par contre, quand ça se déforme, etc., on peut pas y faire grand chose. Et là, j'ai décidé que ça suffisait, que je n'achèterais plus de pulls bas de gamme, chose que j'ai faite depuis un an. Et qu'à partir de maintenant, je n'achèterai que des pulls de qualité. C'est-à-dire des pulls en laine ou éventuellement des pulls en cachemire pendant les soldes ou avec des super promotions parce que ce sont effectivement des matières qui coûtent cher et si possible en laine ou en cachemire recyclé. C'est pas forcément judicieux d'acheter un pull à 30 ou 40 euros une année pour en racheter un autre l'année suivante, pour en acheter un troisième l'année d'après. Donc les achats de matières bas de gamme, ça rejoint un peu en fait la fast fashion. Autre chose que je ne fais plus, ce sont des achats pour des occasions spéciales, du genre Halloween, fête que je bannis et que je déteste par-dessus tout. Noël, je ne fais pas de sapin de Noël, je me rappelle pas du dernier sapin de Noël que j'ai fait. En fait, ces fêtes qui reviennent chaque année, ou ces occasions spéciales, on va dire, qui font que tu vas au magasin, tu vas t'acheter un sapin, ah oui, mais regarde, cette année, tu pourrais faire un sapin bleu. Finalement, c'est beaucoup d'achats pour de la décoration, pour des choses qui sont de courte durée, et c'est aussi nous pousser à consommer toujours et encore plus, alors qu'on n'arrête pas de nous sensibiliser à l'écologie, alors qu'on voudrait aussi, je pense, par moment, faire des économies. Alors, je dis pas qu'il faut pas faire de sapin de Noël, hein, c'est pas ça. Moi, je vous parle des achats que moi j'ai arrêté de faire par rapport à des choses qui ne sont pas forcément utiles pour moi. Vous comprenez là où je veux en venir. Autre chose que je n'achète plus, et ça, vous avez probablement dû le voir, c'est du maquillage. En fait, du maquillage, mais notamment pour faire des vidéos sur YouTube. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis retrouvée à un moment donné, et c'est pour ça que ça fait maintenant un an, où je vous fais des vidéos comme ça, et il n'y a pas beaucoup de maquillage à l'intérieur si vous faites bien attention. J'ai arrêté les fuyers ou acheter. Au bout d'un moment, une fois qu'on a testé, même si les produits sont bien, c'est quand même difficile de tout porter au quotidien. Donc je me suis retrouvée avec une multitude de maquillages qui ne me servaient pas, donc c'est du gâchis au bout d'un moment, et je me suis dit que trop c'était trop. Alors c'était à mon petit niveau, hein. Je suis pas Sanana, c'est les autres qui ont des valises, des cartons entiers de maquillage à ne plus savoir qu'en faire parce que Sephora leur envoie et puis toutes les marques aussi, moi c'est pas du tout le cas. Et c'est vrai que déjà à mon petit niveau donc je trouvais que j'avais beaucoup trop de choses parce que j'ai énormément de palettes, je crois que je dois avoir 30 ou 40 palettes, donc c'est trop. Acheter du maquillage pour des vidéos, j'ai arrêté. Pour moi, juste quand j'ai besoin, et généralement c'est juste des mascaras, ça veut pas dire que je vais pas continuer une fois en passant, tout comme, ça aussi j'ai arrêté, vous l'aurez remarqué, acheter des produits Action pour les tester en vidéo et vous donner mon avis. Tout simplement parce que ça fait déjà un an que j'avais pas posté de vidéo sur Action depuis ma dernière vidéo. Vidéo où je parle justement de pimper la maison avec plein de produits de chez Action, mais pas que. Et c'est vrai que Action, j'y vais de moins en moins parce que en fait, je trouve que c'est toujours pareil. Je trouve qu'il y a de moins en moins de choses intéressantes, j'ai ce qu'il faut et que finalement j'ai l'impression d'en avoir fait le tour. Alors ça veut pas dire que de temps à autre je tomberai pas sur des produits qui sont intéressants et dont je pourrais vous parler, mais cette habitude que j'avais avant de vouloir acheter certains produits pour les tester, vous donner une idée, c'est un peu comme le maquillage en fait, hein. J'ai décidé d'arrêter parce que ça fait trop d'achats. Ce sont des dépenses au bout d'un moment qui coûtaient cher dans mon portefeuille parce que je vous l'ai toujours dit, hein, j'étais pas du tout sponsorisée, ça a toujours été sincère. J'ai fait le tour de ce magasin, je ressens
sens pas le besoin de continuellement acheter, contrairement à des youtubeuses qui sont tout le temps en train de faire des haul actions, haul actions, haul actions. Pourquoi? Déjà parce que évidemment action ça plaît beaucoup, donc les gens en veulent, mais je suis pas sûre que ce soit une bonne chose à longueur de temps de vouloir nous faire consommer du action ou du Amazon ou ce que vous voulez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense que c'est bien d'acheter ce dont on a besoin. D'où ma précédente vidéo où je parle de la maison, mais vous l'avez vu dans la salle de bain, j'ai fait des petites améliorations, tout comme dans ma cuisine, etc. Mais c'était des choses utiles, pas des choses à tester en vidéo pour les mettre de côté après. Ensuite, ce que j'ai arrêté d'acheter, je pense que vous le savez, hein, ce sont des colorations chimiques. Ça fait probablement 3-4 ans maintenant que je fais du henné. Les colorations chimiques, pour moi, c'est vraiment terminé. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, je n'achète que du henné, donc qui est une coloration naturelle. Les colorations chimiques, j'ai arrêté parce que souvent, ça me faisait mal au cuir chevelu, ça me donnait des irritations. C'est pas forcément bon, ni pour les cheveux, ni pour le cuir chevelu. C'est pas bon non plus pour le porte-monnaie, parce que finalement, une coloration chimique chez le coiffeur, ça va coûter effectivement un certain montant, même si c'est agréable d'aller chez le coiffeur. Une coloration chimique en supermarché, ça coûte 10 ou 15 balles, alors que moi, 2,50€. Et elle me dure à peu près 3 mois. Donc comment vous dire que c'est hyper économique et que mes cheveux m'en remercient. Je n'ai jamais eu de cheveux en aussi bonne santé que depuis que j'utilise du henné. Alors je vous dis pas de passer au henné, je dis simplement, peut-être faites attention à la composition des colorations que vous utilisez. Autre chose que je n'achète plus en rapport avec le henné, ce sont les soins capillaires. C'est terminé. Tout ce qui est les masques en supermarché, Garnier, L'Oréal, tout ça, ça fait bien longtemps que je vous en parle plus en vidéo d'ailleurs. J'achète absolument rien pour les cheveux en ce qui concerne les soins sur les longueurs, puisque je mets de l'huile. Alors je vous conseille d'aller dans votre cuisine, de délaisser dorénavant tout ce qui est les masques que L'Oréal et compagnie va tenter de vous vendre relativement cher quand même. Vous pouvez mettre de l'huile d'olive dans vos cheveux, de l'huile d'arachide, peu importe. Vous mettez de l'huile sur les longueurs, vous laissez poser une heure ou deux, il y a des gens qui laissent poser toute la nuit, et ensuite vous allez vous laver les cheveux et vous m'en direz des nouvelles. Croyez-moi, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Une chose que je n'achète plus, c'est ma maman qui le fait pour moi, elle l'achète pas mais elle le fait pour moi, c'est la lessive. La lessive, je trouve que c'est beaucoup trop cher et qu'on peut le faire soi-même. Comme les produits ménagers, j'utilise maintenant de la pierre d'argile pour nettoyer les trois quarts de ma maison. Je pense qu'on peut également réduire son budget considérablement en faisant soi-même sa lessive et en faisant soi-même ses propres produits d'entretien. Donc ça, on économise quelques euros et on les fait. J'ai fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller voir le lien en barre d'infos. J'ai failli rater ma phrase. Une dernière chose dont je voudrais vous parler, c'est le vernis en fait. Là vous allez me voir avec du vernis, vous allez me dire « Laurette, qu'est-ce que tu nous dis puisque tu mets encore du vernis ?» En fait, je mets du vernis mais j'en achète plus. J'ai redécidé de mettre du vernis il n'y a pas très longtemps, j'ai fait du vernis semi-permanent. Et d'ailleurs, je voulais finir par ça parce que la dernière fois en vidéo, je vous ai parlé donc du fait de faire les ongles à la maison, etc. Il y a plein de gens qui m'ont donné des conseils, j'ai lu tout le monde. Je vous remercie parce que vous avez été vraiment hyper nombreux et nombreuses à vouloir me conseiller. Et j'ai fini par prendre ma décision, c'est-à-dire que j'ai pris la décision de ne pas acheter de machine pour faire le vernis, ni même de vernis, c'est pour ça que je vous dis ça. J'ai décidé de continuer d'aller en institut parce que je pense que la personne qui s'occupe de moi est bien plus qualifiée que moi, que je pense que ça va pas être forcément facile, que j'ai pas forcément le temps, et que je me dis c'est bien aussi de faire travailler par moment les commerces. Donc je n'achèterai pas de vernis, c'est ça que je voulais vous dire. Je continuerai de donner de l'argent à une gentille demoiselle pour qu'elle continue d'acheter des vernis, pour qu'elle continue de me faire les ongles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous avez décidé de ne plus acheter. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.